fatiguée. Ah, non, pas encore. Tu as dit que tu allais m'aider. Montre un peu ce que tu as ramassé. Tiens. Eh bien, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Tu sais que maman veut beaucoup plus que ça. Regarde. Et combien de fois il faudra qu'on te répète qu'il faut seulement ramasser les gros. Pour les faire cuire, ils ne doivent pas être plus petits que ça. Très bien, espèce de rouge péteuse. Je te défends de me parler comme ça. Je vais le dire à maman. T'es drôlement susceptible. Il est déjà là. Pom pom, c'est pour te voir que Roman est venu, hein. Koum koum, sois gentil, prends ça. Hé, hey, t'es bien pressé tout d'un coup. Qu'est-ce qui te prend? Elle est complètement folle. Hé, hey, oh, ta tête de mon panier, espèce de gourmand. Ce matin, c'est pas pour toi. Hé, hey! Ce n'est pas parce que nous ne t'aimons pas, Roman. Mais elle est trop jeune. Ma réponse est non. Mais, bras de fer, je l'aime. Pourquoi ne pas accepter? Je ne peux pas vous donner mon consentement. Je regrette que vous refusiez ma demande. Je croyais bien que vous m'auriez accepté comme gendre, mais je me suis trompé. Peut-être que si nous attendons un peu, vous changerez d'avis. Mais, bras de fer... Ne vous inquiétez pas, maman. Comment? Je tiens à te faire remarquer que tu parles à ma femme Flora, et à part les gens de ma famille, personne ne se permet de l'appeler maman. Est-ce que c'est clair? Et je te répète que tu n'épouseras pas Pom-Pom. Ne t'énerve pas, voyons. Je suis désolée, mon garçon. Ne vous faites pas de soucis. Je comprends très bien, Flora. Je crains de ne pas avoir fait une très bonne impression. J'ai beaucoup vagabondé à travers le monde, mais Manouche et ses bohémiens m'ont appris bien des choses. Une chose est sûre, Pom-Pom et moi, nous nous aimons. Et j'ai pris la décision de me fixer au village et d'être un bon mari pour Pom-Pom. Je ne veux pas considérer votre refus comme définitif. J'espère que vous changerez d'avis, bras de fer, car je veux que Pom-Pom soit ma femme. Bonjour, Koum-Koum. Passe donc me voir plus tard, hein? J'ai dit passe donc me voir à la maison quand tu veux. Je te ferai monter sur mon taureau. À bientôt. Non, non, non et non. Mais pourquoi, papa? Pourquoi? Ne pleure pas, Pom-Pom. Ton père agit pour ton bien. Non, papa, tu es aussi méchante que papa. J'aime Roman depuis toujours. Et maintenant qu'il veut m'épouser, vous ne voulez pas. Ah, maintenant je sais que tu ne m'aimes pas. Nous t'aimons de tout notre cœur, ton père et moi, ma chérie, mais nous espérions que tu épouserais un garçon plus sérieux. Non, non, non! Que tout ce que possède Roman, c'est son taureau. Même sa terre appartient à son père. Laisse-la donc pleurer, Flora. Elle ne l'épousera pas, c'est tout. Tu ne comprends rien à l'amour que nous éprouvons. Je m'en moque que Roman n'ait rien. Mais c'est ton père qui commande. Non, 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 non! Non! Toi et papa, je vous déteste. Je vais m'en aller, voilà. Ne pars pas, Pom-Pom. Koum-Koum, essaie de rattraper Pom-Pom et ramène-la vite. J'y vais, maman. Non, reste là, tu m'entends? Quoi? Ah, là, là, mon pauvre loup, mais pourquoi est-ce que j'ai entrepris d'écrire toutes ces tablettes? Je me le demande. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Roman, avec son imbécile de taureau, qu'il suit comme un petit chien. Ridicule. Faudrait mieux de m'aider à apporter mes tablettes. Ah, elles sont de plus en plus longues, tous les ans. Hein? Roman. Pom-Pom. Mon chéri. Ah, mais ça, alors. Ah, eh ben voilà mon fils qui est tombé amoureux. Ah. Oh, je dois devenir vieux. J'évite les pieds qui gonflent maintenant. Koum, 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 koum. Oh, voilà ce
Koum, veux-tu attendre? Pourquoi? Je veux que tu ailles tout de suite à la maison de Roman et que tu lui portes ça. Et surtout, dis-lui combien je suis désolée. Va, dépêche-toi. Tiens. Mais pourquoi? Pom-Pom est avec lui, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Bon, j'y vais, maman. Allez, viens, Lily Belle. J'arrive. Roman a demandé à papa la permission d'épouser ma sœur. J'avais bien l'impression qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce que ton père a dit à Roman? Il a dit, pas question que t'épouses Pom-Pom, c'est non et non. Pauvre Roman. Ah ouais. Koum Koum, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Où est Pom-Pom? Elle est là. Ah! Koum Koum, dis-moi pourquoi tu veux me voir. Et ne reste pas planté là comme un idiot. Maman m'a demandé de t'apporter ça. Tout ça? Pour moi? Ouais. Tu penses que ton père a changé d'avis? Non, moi j'ai pas l'impression. Mais si j'étais à ta place, eh ben j'enlèverais Pom-Pom. Quoi? T'as envie d'épouser Pom-Pom? Alors partez et mariez-vous. C'est une bonne idée, Lilibelle, très bonne. C'est vrai, on pourrait s'enfuir et se marier dans un autre village où personne ne nous connaît. Comme ça, on n'aurait pas besoin d'autorisation. Jolie Pom-Pom, on va partir se marier ailleurs. Ah, oh, oui, oui. Koum Koum, ta maman m'aime bien. Dis-lui qu'on va se marier demain. Mais c'est un secret, hein? D'accord. Au revoir. Alors, ils vont se marier en secret? Oui, mais on va pas le dire à papa, tu te promets? Oh, oui. Flora, où est la cruche de vin? Elle est là. Est-ce que Pom-Pom est revenue? Je me demande bien où elle peut être. Je crois que tu devrais te coucher. Non, Koum Koum, reste là. Hein? Je voudrais parler un petit peu avec toi. Pas maintenant, papa, je vais me coucher. Obéis, tu entends, et viens ici. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Remplis ma coupe. Tu n'as pas besoin de lui, je vais remplir ta coupe. Ne t'en mêle pas, Flora. Koum Koum. C'est demain le grand jour. Hein? Oui, demain. Demain, on va à la pêche tous les deux. C'est vrai, tous les deux? Oui, rien que toi et moi. Ça va, ça te fait plaisir? Ou tu veux faire autre chose? Hein? Je vais avec toi. Pom-Pom. Qu'est-ce que tu fais? À quoi penses-tu? Tu devrais dormir? Je pensais à mon père, Roman. Il ne faut pas t'en faire. Peut-être que tu aimerais mieux retourner chez toi. Je sais que mon père m'aime beaucoup, mais je suis très fâchée qu'il t'ait humilié de cette façon. Va vite te coucher. Et ne t'inquiète pas, on s'occupera de ça demain matin, d'accord? D'accord. Roman? Oui, chérie? Je suis vraiment désolée de te faire coucher dehors. Tu vas avoir froid? Oh, ça va très bien, Pom-Pom. Roman, chéri? Hein? Tu n'as pas froid? Ne dis pas de bêtises, je n'ai pas froid du tout. Pom-Pom, je t'aimerai toujours. Bonne nuit, mon chéri. Pom-Pom, il n'y a pas de poisson ici, on devrait aller ailleurs. Pom-Pom. Comment allait Pom-Pom quand tu l'as vue? Elle allait très bien, papa. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. C'est pas la peine de me le cacher, je sais qu'elle est chez Roman. Mais tu le savais depuis le début, papa? Oui, je le savais. Oh. Essayons dans ce coin-là. Voilà, ils sont cuits, mangeons. Koum Koum. Mon papa. Quand tu as vu Pom-Pom, est-ce qu'elle t'a paru être heureuse? Ben, elle était contente quand elle a vu ce que maman lui envoyait à manger.
Je comprends, oui. Dis-moi. Que je te dise quoi, papa? Je voudrais que tu me dises ce que tu penses de Roman. J'aime bien, il est très gentil. Tu trouves, vraiment? Mm-hmm. Dis, papa. Quoi? Est-ce que je peux encore avoir du poisson? Oui. Merci, il est très bon. Sont gros tes poissons. Tu as l'air bien affairé aujourd'hui, Cléobule. Je suis débordé, je range ma tabletothèque. Ne me dis pas que tu vas transporter toutes ces pierres tout seul, voyons. Tu ne veux pas qu'on reste et qu'on te donne un coup de main? Ah, oh, ben ça, c'est pas de refus. Allez, viens, Koum-Koum. Allez, hop, à nous deux, hop, là. Oh, là, c'est pas un travail pour un intellectuel. Voilà, tout est rangé. Ah, oh, je suis épuisé. J'ai tellement marché que j'en ai mal dans le dos. C'est pas là, tout partout. Oh, je ne suis plus l'homme que j'ai été par le grand barbichu. Ah, on n'y peut rien, Cléobule. Nous vieillissons tous, mais ton fils pourra te remplacer quand tu seras trop vieux. Vraiment? Il était bien content quand il m'a dit qu'il s'en allait, mais il est revenu. Je ne sais pas pourquoi tu en parles de cette façon. Roman n'est pas un mauvais garçon. Il m'a demandé si je lui permettais d'épouser Pom-Pom. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Est-ce que ta fille veut se marier? Apparemment, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ma mauviette de fils n'est qu'un sale gamin. Cléobule, ce n'est pas un gamin, ni une mauviette. J'ai rencontré un homme hier. Il m'a dit qu'il avait risqué sa vie pour défendre notre village contre les bandits de Manouche. Je trouve que c'est plutôt courageux pour une mauviette. C'est vrai, Roman a fait ça. Oh, mais c'est pour ça qu'il est revenu. Et je lui ai dit qu'il n'était pas digne de Pom-Pom. Ah, par le grand barbichu, fait-on ça. Roman est devenu un homme, et plus de 50 ans d'âge. Plus de 50 ans. Je l'ai gardé pour fêter un événement exceptionnel, et je crois bien que le jour où Roman devient enfin un homme, on est un. C'est un véritable nectar. Koum-Koum, tu iras t'occuper du feu et fais cuire les poissons. D'accord. Alors ça, il s'aime. Il s'aime, ton Roman et ma Pom-Pom. J'ai répondu à ton fils qu'il ne valait rien. Non, mais dis donc, Bralfer, je pense que tu exagères un peu. Pourquoi trouves-tu que Roman ne vaut rien? C'est tout de même mon fils. Parce qu'il croit qu'il peut épouser ma fille. Et alors, il vaut bien ta fille, non le nom? Allez, encore un petit coup, et à moi maintenant. Bonne année. Joyeux Noël. Cléobule. Ah, mon vieil ami. Cléobule, dis, est-ce que tu t'occupes pas de Pom-Pom? M'occupe pas de ta fille comme de mon propre fils. Parfait. Allez, encore un petit coup, et... Je vais être bientôt grand-père. Grand-père. Koum-Koum. Koum-Koum, j'étais affreusement inquiète, il est très tard, je ne savais pas où tu étais passé. Oh mon Dieu, où est ton père? Maman! C'est toi? Pom-Pom, c'est toi? Maman Flora, on a décidé de ne pas s'enfuir. On ne veut pas faire de peine à Bras de Fer. Je vais lui demander de nouveau. Mes enfants, je crois bien que les deux beaux papas se sont mis d'accord. Quoi? Regardez! Hein? Oh. Papa! Bras de Fer, réveille-toi! Ah. Roman, c'est toi! Ça y est, je te tiens!
Je t'ai attrapé. Mon beau roman, tu vas être mon gendre. L'amour, le bel amour. Je te donne ma fille. Bonne année, bonne santé. Oh, papa. Papa. Oh, que c'est joli, quelle belle robe. Ça me donne envie de me marier de nouveau, moi aussi. Oh, tu es vraiment jolie, ma chérie. Oh, mamie mandarine, c'est ravissant. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais vous m'avez laissé si peu de temps pour la faire. C'est la plus jolie chose que tu aies jamais faite. Bras de fer, viens vite voir comme ta fille est jolie. Oh, il travaille, c'est tout mon mari. Tu bois assez dans la caverne noire ?